voilà, moi c'est Pierre Merveille, je suis permanent syndical au niveau de BHV, donc permanent 7KFGTB. L'impact dans les autres secteurs est primordial. Et là, je crois qu'effectivement, on assiste à une perte du métier de base dans certaines entreprises, particulièrement dans les finances. L'autre impact est effectivement le développement. Ce qui est positif pour le monde du numérique, c'est de tout ce qui concerne le big data, puisque là, effectivement, les seules entreprises qui peuvent réellement utiliser, même dans le cadre du GDPR, c'est toutes les organisations et tous les organismes financiers qui, eux, regroupent effectivement les données de tout le monde. Donc là, c'est à la fois, pour le métier du numérique, une expérience, un futur, quelque chose de formidable. Mais au niveau humain, ben, c'est quand même quelque chose qu'il faut contrôler, qu'il faut effectivement analyser et prendre avec prudence. Les entreprises les plus touchées, ce sont évidemment les secteurs finance, de manière générale, banque, assurance, et également tout ce qui est entreprise industrielle. Mais l'industrie à Bruxelles, ça regroupe évidemment des entreprises de haute technologie, beaucoup de PME, mais ça représente aussi et ça regroupe tout ce qui est quartiers généraux de grands groupes européens qui finalement ont la même stratégie de développement des entreprises qu'une entreprise des finances. L'enjeu à Bruxelles, ben je pense qu'au niveau structure, tissu urbain, etc., c'est un avenir, un grand avenir. Et c'est pour ça que c'est important, et que notre rôle aussi chez Digital City, de développer, de maintenir l'emploi, est très important. Parce que je crois qu'à l'avenir, avec le type d'activités que nous avons au niveau bruxellois, sont évidemment des activités qui attirent les grandes entreprises du tertiaire. Et donc, ils vont utiliser de plus en plus cette intelligence artificielle. Dans le cas de la fracture numérique, je pense qu'on a une réponse à apporter. On ne le fait pas pour l'instant, parce qu'on pense plutôt au développement de tout ce qui est numérique. Or, cette fracture numérique est quelque chose qui est très important quand on sait que plus de 10% de la population a des problèmes de lecture. Or, sans lire, ben, c'est quasi impossible de pouvoir utiliser un outil numérique. Souvent, on pense aux personnes plus âgées. Mais ce n'est pas que ce public-là dont on parle de fracture numérique, c'est un public qui est plus jeune et parfois inadapté parce que problème de lecture. Et je pense qu'on a un rôle là-dedans aussi à jouer, peut-être pas d'être innovateur, mais en tous les cas de donner une cohésion à toute une série d'organismes qui existent, qui s'occupent déjà de ça.